Oh, c'est trop bien! Oh, je kiffe déjà ce niveau! C'est trop bien! C'est trop bien fait! Mais non! Mais non! Mais what? On dirait vraiment le premier Donkey Kong! Come on! Eh bien, salut les vipères, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Super Mario Maker 2, où on va faire les niveaux des gens en ligne. Alors, hier, j'ai sorti une vidéo où il y a une miniature. Donc, je pense que maintenant, je vais faire des miniatures pour certaines vidéos. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les niveaux populaires de cette semaine. Bon, sauf ceux que j'ai déjà fait. Par exemple, celui-là, Rainbow Rush Galaxy, je l'ai déjà fait. Gourmet Race, je l'ai déjà fait. Par contre, Quiz, The Memory Quiz, je l'ai pas fait. Donc, on va commencer par ce niveau. Il y a combien de réussites? 32%. Ça devrait aller. Ça devrait pas être trop dur. Quiz, The Memory Quiz, James SMM2 de Royaume-Uni. Let's go. Alors, Memory Quiz. Donc, il faut. Je pense que ce qu'il y a entre les blocs de glace, c'est ce qu'il faut mémoriser. Donc, c'est-à-dire, il y a 3 chenilles. C'est ça, il y a 3 chenilles. Là, faut mémoriser le nombre de petits bonhommes comme ça. 1, 2, 3, 4. Pour l'instant, ça va. J'espère qu'il va y avoir d'autres techniques. Il y en a 3. C'est pas mal comme niveau, hein. Le mec, il a eu beaucoup d'inspiration. Alors, il n'a 4 en bleu. J'aimerais bien qu'il fasse des trolls, par contre, parce que c'est vraiment simple. C'est vraiment très simple. Deux, ça va, pas trop dur. Il n'y a pas de trolls, c'est dommage, genre... Il aurait dû mettre combien de bonhommes sur une telle plateforme? Ah oui, là, faut retenir et les trampolines et les tortues normales. Donc, il y a une tortue normale et il y a 4 trampolines. La tortue ailée, je pense que ça compte pas. Ah si. Mais en tout cas, il y a 4 trampolines. Si la tortue ailée compte, il faut passer par là, alors. Les taupes, les briques et les chenilles. Il y a une brique, il y a 2 chenilles, il y a 2 taupes. Il y a une brique, il y a 2 chenilles, il y a 2 taupes, c'est par là. Hey, je suis plutôt bon pour l'instant, non? The final. Super accent anglais. Faut aussi mémoriser les pièces. Alors, il y a 5 pièces. Il y a 5 pièces, il y a 2 petits bonhommes. Et il y a une taupe. 5, 2, 1. What? C'est le premier. Alors, par contre, à quoi sert le trampoline? Je sais pas. D'accord. Ben, pourquoi pas? En tout cas, c'était un niveau créatif. The Dead Zone. Fait par Nat. Katix, qui vient des États-Unis. Je sais pas si j'ai bien prononcé son nom. Alors, what? Oh, c'est trop bien! Oh, je kiffe déjà ce niveau! Je kiffe déjà ce niveau! J'ai cru que ça allait être un truc archi dur et tout. Mais je kiffe. Ah, mais faut rentrer, j'ai cru qu'il y allait un truc qui allait sortir, moi. J'ai cru qu'il y avait un truc qui allait sortir. Non, il y avait un truc qui allait sortir, c'est l'inverse. What? Mince, ça marche pas, j'ai essayé de glitch, mais on peut pas. Alors, ce qu'il faut faire, c'est ceci. Cimetière de la Muerte. Let's go, let's go. Je suis enterré dans ma tombe. La 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 la. Faut
faire comme ça. Ok. Ça va, c'est pas très dur. Oh là. Ok, ça va. Pas trop compliqué. Champignon. Ok. Ce niveau est très très bien, on peut dire. Franchement, il est très bien. Ok, on peut pas passer par là. Ça, c'est un des meilleurs niveaux, quoi. C'est des niveaux où il y a quand même un petit peu de challenge. Pas trop, mais un petit peu. Hop. Et youhou. Demi-tour. Ah, c'est ingénieux. Mais comment vous... Même moi, j'ai pas autant de créativité, quoi. Mais what? Alors, on va faire comme ça. Non mais appelez-moi VG là, il y a un truc là, je suis trop fort ou c'est facile. Ok. Ok. What? Ok. Bam. Hop. Non mais en plus la déco est jolie, mais la déco elle est trop belle. Mais ce niveau est dingue. What the fuck? Wesh. Faut aller où? Faut aller là-bas. Oh, j'ai failli me faire avoir. Ah, c'est intelligent, franchement. J'ai chaud de pas être allé en haut. Ah, ça sent la fin. J'ai pas pris le sommet du poteau à cause de mes conneries. Très bon niveau. Tu devrais en refaire. Poison Cape, Escape, 20 secondes, Vexum de l'Allemagne, je crois. Et ben, let's go. C'est parti pour un speedrun. Ça change des speedruns ultra durs que j'avais fait il y a 2 jours. Là, là. Loulou, 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 loulou. J'adore les speedruns qui sont ici. Ceci a l'air d'être un niveau pas mal. Who let the champ out? C'est-à-dire qui a laissé les champs s'échapper. HF. Hot fire. What? Ah mais c'est... Oh c'est trop bien. C'est trop bien. Bon, par contre je vais me faire bouffer. Je pense que je sais comment ça marche. Celui qui est tout en bas il doit être dans un nuage. Ouh j'ai chaud. J'ai eu chaud encore une fois. Let's go. Hop. Oui. Non mais... What the fuck? What the délire? Hop. Ah. Poum, pom, pom, pom. Oh. Yon. Ah non, ils sont sur des chenilles. Et c'est la fin. Legend of Zelda Mario to Past. Je sais pas quoi, du Japon, d'accord. Pourquoi je sens que ça va être
Vous avez écouté la musique? C'est magique, c'est la musique de Zelda. Alors la porte, je sais pas où elle mène, mais j'ai pas trop envie d'aller la prendre. What the fuck? Oh, j'avais pas vu, regardez où, on a la map! Vous voyez en haut? Le petit carré bleu, c'est là où on est. C'est trop bien fait. Là, on peut aller par là. Oh, c'est trop bien. Alors, là, on est au milieu. On peut aller en bas, du coup. Oula. Oula. Non, mais j'ai une seule con qui meurt ici. Ah bah non, je suis pas le seul con qui meurt ici. Oh là là là. Oh non, comment j'ai les... Attends, réécoutez la musique. Bon bah, je vais rechercher les trucs et on se revoit tout de suite. Ce coup-ci, je vais pas tomber, je vous le jure. Ok, bye bye. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix, quoi. What? Et je fais quoi avec ça? Mais c'est trop intelligent, les mecs. Mais comment vous faites? Je veux savoir votre talent, là. Je veux trop créer des niveaux trop bien dans ce genre-là, moi. Trop... Oh merde, je me suis coincé. De toute façon, il n'y a pas d'autre. Non! T'es pas sérieux, je peux pas aller en... Ah! À la toute fin, ils vont nous donner un casque avec des pics, il va falloir monter, parce que c'est la dernière salle, ça se voit. Alors là, faut que je passe en bas. Faut que je les tue? S'en fout. Bon, bah, j'ai pas le choix. Donc là, on va en bas, d'abord. Ok, pourquoi pas. Les tuyaux rouges, ça donne des objets. Et voilà! Mais c'est tout. Qu'est-ce que je vous avais dit? Ils allaient nous donner un casque avec des pics, c'était obligé. Ya! Yeah, oh, j'ai réussi à pas perdre ma plume. Et voilà! Oh, mais c'est qui le génie? Oh, c'est pas fini. Ah, c'est le boss du donjon. What? T'es pas sérieux. Ok, bon, ça m'a pris même pas 2 minutes, hein. Mais c'est relou. Non, faut que je tue la plante d'abord. Ah mais je suis trop con. Mais qu'est-ce que je suis trop con, putain.
Je savais pas qu'on pouvait buter les chenilles, moi, avec la truc. C'est un gros troll. Push Deep Switch, c'est par Aleisa du Japon. En gros, appuie sur 10 boutons. What? Dépêche-toi! Mais j'étais à 4 dixièmes, mais what the fuck? Super Spin Fly fait par Vexum. Encore Vexum? Bah dis donc! On l'a déjà vu lui en début de vidéo. Pourquoi j'ai l'impression que c'est exactement le même niveau que dans SMM1? Franchement, je pense que je vais faire ce genre de vidéo souvent parce que c'est j'adore. J'adore jouer au niveau en ligne, c'est ce que je fais quasiment tout le temps dès que j'ai un temps libre. Alors, ce niveau s'appelle Arcade de Shooting. Oh, c'est trop bien! J'adore l'originalité du truc. Jamais vu ça de ma vie. Même Super Mario Bros. 1. Super Mario Maker 1. Slot. Oh. Ok, il faut avoir 3 étoiles pour gagner. Non! Bon, c'est pas très dur. J'ai les 3 étoiles. Tower. What? Et merde. Oh non. Allez. Voilà. Mince, je suis obligé de me suicider. J'ai pas vu du tout le nom du truc. Mais on s'en fout. Ah, faut le faire traverser. T'es pas sérieux? Con sur moi. On en est déjà à plus de 20 minutes de vidéo. Aim, c'est-à-dire shoot. Aussi nul que ça. Ok. Pour le faire haut, faut que je le fasse. C'est malin. Mais c'est malin. Le mec est un génie. Le mec est un génie. Donkey. Ça veut dire singe. Je pense que c'est Donkey Kong. Voilà. C'est trop bien! C'est trop bien fait! Mais non! Mais non! Mais what? On dirait vraiment le premier Donkey Kong! Mais... What?
J'ai toujours. Un jour, j'ai essayé de faire un Donkey Kong sur ce Flammer Maker, ça a rien donné. Oh le bâtard, il m'a pas réussi à prendre le truc. Ça a jamais rien donné quand j'ai essayé de faire un Donkey Kong. Le mec est fort. Do you have good reflexes? 3. En gros, il faut réagir vite. J'ai fait le 1, j'ai pas fait le 2. What the fuck? J'ai perdu. J'ai pas de good reflexes. J'ai pas de good reflexes. Oui, oui. Eh, je me débrouille pas mal. Heureusement qu'il y a un checkpoint. Hein. Merci pour le checkpoint. J'en suis très reconnaissant. Saute. Et voilà, en fait, il fallait faire juste ça. What? Ok, j'ai compris. En gros, ce qu'il faut faire, c'est ceci. Pas du tout. En gros, ce qu'il faut faire, c'est prendre la bombe, la jeter ici. Et attendre. Ben voilà. C'est pas sorcier. Oui. Ah, c'est fini. J'ai gagné plein de pièces. Et on prend le poteau. Et on s'en va d'ici. Alors en tout cas, les amis, on va se laisser là pour cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager si elle vous a plu. Franchement, j'adore jouer ce genre de niveau. Je sais pas à combien de niveaux on a joué. Alors il y a des niveaux que j'ai pas joué parce que c'est des keep running et vidéo, c'est pas bien. Celui-là, il avait l'air cool, mais le truc, c'est que 1:49, le record du monde, ça aurait fait trop long. Donc voilà. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Et nous, on se revoit la prochaine fois. Bye bye!